L'icône orthodoxe, un des éléments essentiels de la liturgie de l'Église orthodoxe. Une image symbolique sacrée, qui par les lignes et les couleurs, tente de rapprocher celui qui la regarde de la connaissance de la vérité éternelle. Un certain nombre d'artistes cherchent à peindre des icônes. Beaucoup y réussissent bien, en reproduisant de manière impersonnelle des modèles anciens. Cependant, l'iconographe est plus qu'un copiste. On attend de lui que sa vie soit en harmonie avec son art. Dans ce contexte, il est plus actuel que jamais de se rappeler les œuvres du père Grégoire Krug, un des iconographes orthodoxes les plus remarquables du XXe siècle. Celui-ci, après avoir consacré toute sa vie à la recherche et à l'expérimentation iconographique, a réussi à retrouver dans le symbolisme orthodoxe complexe le sens authentique de l'icône. Vivant dans un petit ermitage, perdu dans une forêt de la banlieue parisienne, il a créé des icônes et des fresques dignes des meilleures écoles de l'iconographie traditionnelle russe. Ainsi, c'est au père Grégoire Krug que nous allons consacrer ce film. Aujourd'hui, vous découvrirez la vie et les œuvres de cet iconographe. Vous entendrez des extraits de ses carnets personnels, où, au cours de sa vie, il notait ses réflexions sur ses icônes. Vous ferez connaissance avec ses anciens amis, des iconographes, des restaurateurs d'icônes, des théologiens, des critiques d'art. Tout cela vous permettra de pénétrer dans le sens authentique de l'icône orthodoxe et de voir quel chemin le père Grégoire a dû emprunter pour le retrouver. Le père Grégoire Krug, la voie vers la lumière. L'icône de la Nativité du Christ. C'est une image de la gloire qui ne passe pas, de l'amoindrissement volontaire de Dieu. C'est par cette humilité du Seigneur qui a accepté les langes et la crèche des animaux que le genre humain a été guéri de l'orgueil. Sur cette icône, la noirceur de la terre est opposée à la lumière du Christ. La terre qui entoure la caverne est l'image de notre nature humaine, corruptible et mortelle. Elle n'est pas représentée d'une manière lisse ou unie, non. Elle est pleine de saillies, de creux, de sommets, comme le mouvement des vagues. Parce que la terre a reconnu son Dieu en renaissant tout entière, en se mettant tout entière en mouvement, comme une pâte. Elle a commencé à fermenter parce qu'elle avait senti en elle le levain de la vie éternelle. Moine Grégoire, carnet d'un peintre d'icônes. Le père Grégoire Krug est né le 23 décembre 1907 à Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Son prénom était alors Georges. Ses parents n'étaient pas particulièrement religieux. Son père, Ivan Krug, était protestant d'origine suédoise, directeur d'une aciérie. Sa mère était russe orthodoxe. Le petit Georges et sa sœur aînée Olga furent élevés dans la religion luthérienne de leur père. L'atmosphère de la maison était toujours chaude et accueillante. Le dimanche, les parents recevaient beaucoup de proches et d'amis. Il était habituel de se réunir à plus de 20 personnes à table. Alors, suivant la tradition, il récitait le Notre Père avant chaque repas. Georges participait vivement en criant en plein poumon les paroles de la prière apprises par cœur. D'après lui, Dieu était très vieux, lointain et sourd, et ne pouvait pas entendre autrement son raison. Les souvenirs de Léonid Zourov, écrivain et ami de Georges Krug. Il n'était pas toujours un garçon exemplaire, souvent turbulent et bagarreur. Mais Dieu le gardait. Un jour qu'il jouait avec sa sœur sur un radeau flottant sur la rivière, il tomba dans une ouverture pratiquée entre les planches. Il y avait là un fort courant et des tourbillons très dangereux qui avaient déjà causé la mort de plusieurs personnes et d'animaux. Au cri désespéré d'Olia, des adultes sont venus et ont trouvé sous le radeau le corps inanimé du petit Georges. Il était ballotté en tous sens, accroché à un clou. Une autre fois, malgré l'interdiction de son accompagnateur,
le garçon est allé faire du ski sur une corniche abrupte dont la pente descendait en palier et était couverte d'ornières et de cailloux. Olia a été figée d'effroi lorsqu'elle a vu son frère s'envoler en l'air comme un oiseau, se tenant en équilibre avec ses bras et disparaître derrière les cellules du rocher. Quelques instants après, le petit Georges est apparu avec ses skis cassés sur le dos, mais sans une égratignure. La révolution de 1917 à Petrograd jette à bas l'ordre habituel de la vie quotidienne de toute la Russie. Pour la famille Krug, c'était aussi une épreuve. Comme beaucoup d'autres entrepreneurs d'origine bourgeoise, l'activité d'Ivan Krug est arrêtée par les bolcheviks pour une période indéterminée. En ce temps-là, le petit Georges fréquentait une école Karl May au centre de Petrograd et pouvait observer de ses propres yeux les manifestations révolutionnaires qui affluaient dans la ville. En 1921, après avoir été emprisonné, son père décide de fuir l'Union soviétique et obtient la nationalité estonienne grâce à ses relations. La famille Krug s'installe à Narva, en Estonie, où le père est nommé directeur d'une usine de cotonnade. La famille ne vit plus dans le besoin. Tout est fait alors pour que les enfants puissent obtenir une bonne formation dans le domaine choisi. Et le jeune Georges en profite pleinement. Quand il a terminé le lycée, il est entré à l'école des arts appliqués de Tallinn, Reval à l'époque. Ensuite, il est allé étudier à Tartu, dans une école privée d'art qui s'appelait l'école Pallas. Et à cette époque-là, il s'est mis aussi à étudier le piano avec beaucoup d'enthousiasme et il a même inventé une méthode pour devenir virtuose très rapidement. Et du coup, il a travaillé le piano énormément pendant 2 ou 3 ans et à la suite de ça, il a fait un concert de Bach qui a été très très bien accueilli. Et même des journaux allemands ont dit qu'il y avait un nouvel interprète de grand talent qui était apparu. Voilà. Mais ça n'a pas duré. Malgré cet amour pour la musique et ce don et ce talent, il a décidé de se consacrer à la peinture. Pour lui, c'était difficile d'interpréter l'œuvre de quelqu'un d'autre. Voilà, il fallait qu'il crée. Et je pense que c'est dans la peinture qu'il pouvait créer vraiment et qu'il pouvait poursuivre pleinement l'inspiration intérieure qui était la sienne. Les souvenirs de Jean-Claude Marcadet, spécialiste d'art russe. Ses œuvres des années 20 témoignent de sa virtuosité étonnante comme peintre. Il accomplit une série de dessins sur le thème de la ville contemporaine. Les êtres humains sont des ombres qui évolue entre les murs d'un labyrinthe sans issue, comme happé par une lumière qui n'a pas de source précise. Il y a là une parabole de la condition humaine dans la ville moderne, une adaptation du mythe platonicien de la caverne en termes plastiques. Krug a parfois quelque chose du souffle de William Blake. Il montre l'image de l'homme dans la détresse, dans son angoisse suprême. L'homme se prend la tête dans les mains, peut-être pour ne pas voir l'abîme, et dans le même temps, il s'y précipite. Moine Grégoire, carnet d'un peintre d'icônes. L'icône de l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Cette icône tend à inclure en elle tout ce qui est mentionné et conservé dans la tradition de l'Église. Pour quelle raison, demande saint Épiphane, le Christ qui allait toujours à pied monte alors et seulement alors sur un animal, afin de montrer qu'il sera élevé sur la croix et glorifié sur elle. Que désigne le village en face? La disposition de l'esprit rebelle de l'homme chassé du paradis auquel Dieu envoie son sauveur. Que figure l'ânesse? Sans doute, la synagogue sur l'épine dorsale de laquelle le Christ s'assiera un jour. Ce symbolisme est une propriété inaltérable de la théologie. Car le but de l'icône n'est pas de sceller quelque chose de temporel, mais d'être une esquisse de la vérité infinie. Sur le bord du lac. En 1931, Georges Krug arrive à Paris pour poursuivre plus sérieusement ses études artistiques.
Sa mère et sa sœur le suivent. Ils s'installent dans un petit appartement sous les toits, rue La Crételle. Jeune, talentueux, Krug est sûr qu'ici sa vie va prendre un nouveau tournant. Il commence à se chercher dans la peinture, en se prouvant dans des styles artistiques différents. Il s'inscrit à l'Académie russe de peinture, rue Jules Chaplin, à Montparnasse, fondée par la fille du fameux écrivain russe Tolstoï, Tatiana Lvovna. Ainsi, il rencontre de nombreux peintres renommés issus de l'immigration russe. Il prend les cours chez Nicolas Amiliotti, peintre symboliste, Boris Grigoriev, peintre d'avant-garde, Natalia Goncharova et Michel Larionov, premiers représentants de l'art abstrait russe. Krug est vite remarqué par ses professionnels, surtout par son professeur Konstantin Somov, qui le considère comme le mieux préparé à l'art. Dans un de ses ateliers, qui se trouvait alors en passe du Rouet, Georges fait connaissance avec un jeune peintre talentueux, Léonid Ouspensky, qui va devenir un des plus grands iconographes du XXe siècle. Celui-ci deviendra son meilleur ami pour toute sa vie. Adieu. L'amitié entre Krug et Ouspensky est immédiate. Et Somov avait une maison en Normandie où l'été, il invitait ses amis et ses élèves. Et là, c'est Ouspensky qui me l'a raconté. Le soir, il dessinait. Il se dessinait les uns les autres. On a même un extraordinaire témoignage, une fresque faite sur une tuile. C'est Krug qui, à la fresque, représente Ouspensky. C'est très intéressant. Et puis, ils s'amusent, ils sont de culture russe, alors ils décident, tiens, on va faire des illustrations de, notamment, Gogol, et le nez, mince, de Gogol. Et ça, on les a, les dessins. Et alors, c'est une joute. C'est à savoir qui va inventer le dessin le plus amusant, le plus attrayant. Heureusement, tout ce matériel existe. Ils ont aussi des modèles qui viennent poser pour eux. Et on a, alors ça, c'est remarquable, je pense, une jeune Normande représentée par Léonid Alexandrovitch Ouspensky et la même par Krug. Et on voit déjà la différence de style entre les deux. Quand je me promène maintenant partout, j'entends des boniments avec plus ou moins d'accent. Dans ces années, Paris est devenu un centre spirituel pour la grande diaspora russe d'Europe occidentale. On y comptait plus de 3 millions de réfugiés d'origine très variée. Depuis des membres de la famille impériale, d'anciens ministres, des généraux, jusqu'à d'anciens professeurs, des peintres, des écrivains. Pour le soutien spirituel de ces réfugiés, le Patriarche de Moscou fonde en 1921 un archevêché provisoire des paroisses russes en Europe occidentale, avec le métropolite Loge Georgievski à sa tête. Le centre de l'archevêché devient Paris avec sa cathédrale, centre Alexandre Nevski, situé rue d'Aru. Georges Krug est déjà croyant avant son arrivée en France. Il se convertit à l'orthodoxie à 19 ans, pendant un congrès de l'Action chrétienne des étudiants russes au monastère de Petchore, à la frontière entre la Russie et l'Estonie. Georges fut alors particulièrement marqué par les homélies d'un des organisateurs de ce mouvement, le prêtre Lev Lipirovski, son premier père spirituel. Il disait toujours que la vraie foi orthodoxe en Christ était hors de toute question politique ou nationale. Elle devait faire l'union de tous, même de ceux qui semblaient hostiles à cette époque-là, comme les partisans de la monarchie ou ceux qui cherchaient à s'adapter au socialisme soviétique. Cette initiation du père Lev dans la foi orthodoxe a porté ses fruits. Krug y restera fidèle pour toujours. En 1931, le métropolite Loge décide de quitter le patriarcat de Moscou pour entrer sous la juridiction de l'église orthodoxe de Constantinople. Il considérait que l'église russe était désormais prisonnière de la politique antichrétienne de l'État soviétique. Tout l'archevêché soutient cette idée, y compris le père Lev Lipirovski. Par contre, une petite minorité, moins d'une dizaine de personnes, annonce ouvertement sa volonté de rester fidèle à l'église russe. Le jeune Krug prend position pour cette minorité. Il s'agissait des membres de la confrérie de Saint-Photius. La confrérie Saint-Photius est une confrérie de laïcs qui a été fondée en 1925 par 8 jeunes orthodoxes issus de bonnes familles intellectuelles qui ont dû quitter la Russie à l'issue de la guerre civile et de la Révolution et qui se sont retrouvés en France. Le manifeste de la confrérie stipulait que l'Église orthodoxe est la seule Église du Christ qui a conservé de manière intacte
le témoignage apostolique, l'enseignement des pères de l'Église. Et donc les membres de cette confrérie affirmaient que ce qui est tout à fait intransigeant, ce qui ne peut pas faire objet de concession, c'est la foi orthodoxe. En revanche, pour le reste, à savoir les rites, les usages liturgiques, les formes culturelles que prend l'annonce de la bonne nouvelle dans tel ou tel pays, était une question secondaire et pouvait faire objet de diversité. Ainsi, Georges Krug devient un des membres les plus actifs de la confrérie. Comme leur vision n'est pas partagée dans l'archevêché, ils décident de fonder une nouvelle église. Faute de ressources matérielles, le seul endroit qu'ils peuvent louer est la petite cave d'une modeste fabrique de bicyclettes, Sainte-Cruppetel à Paris. Un long travail de réaménagement les attend pour transformer cet ancien garage en paroisse. Notamment, ils ont besoin de peintres pour réaliser une iconostase, élément important du rite orthodoxe. Le talent de Krug tombe au bon moment. Ses confrères lui demandent de participer à la réalisation de ce projet et il accepte avec enthousiasme. Il tente toutefois d'inviter son bon ami Ouspensky à travailler avec lui. Par contre, celui-ci ne prend pas au sérieux son compagnon, soi-disant « peindre des icônes, quoi de plus facile ?» En discutant des questions de foi, Ouspensky a fait le pari avec Père Grégoire qu'il pouvait parfaitement peindre une icône alors qu'il était non-croyant. Ce que beaucoup de gens affirment de nos jours d'ailleurs. Et donc, il a peint son icône, il a mis 15 jours à la peindre, mais quand il l'a peinte, il a compris qu'il avait commis un horrible blasphème. Et il ne savait pas pourquoi c'était un blasphème. À l'époque, il y avait un antiquaire qui s'appelait Greenberg, qui avait une galerie avec beaucoup de très belles et très anciennes icônes, à rue Saint-Honoré à l'époque. Et donc, comme il connaissait bien les deux amis, ils lui ont demandé, et Ouspensky a passé énormément de temps dans la réserve de Greenberg à étudier les icônes pour comprendre ce mystère. Et petit à petit, grâce à ça, il a été converti par l'icône en quelque sorte. Krug gagne ce pari et Ouspensky se lance avec lui dans l'étude de l'art iconographique. Ce qui est essentiel à l'icône authentiquement orthodoxe, c'est la représentation d'une personne historique, c'est-à-dire d'un personnage qui vivait réellement. L'icône orthodoxe ne doit en aucune manière contredire la foi et l'enseignement de l'Église orthodoxe. Même si l'icône s'éloigne de toute représentation naturelle, elle ne peut pas non plus représenter la personne de manière déformée ou abstraite, comme le fit par exemple un peintre de l'avant-garde russe, Alexei Yavlensky. De même que Dieu, infini et inexprimable, s'est incarné en Jésus-Christ, personne parfaite et connaissable. De même, l'icône doit représenter le Christ de la manière la plus claire et reconnaissable. Ainsi, la réalisation d'une iconostase demande un grand travail de préparation. Krug s'initie aux anciennes techniques iconographiques russes sous la direction du professeur Piotr Fedorov, tandis que les subtilités théologiques lui sont expliquées par un autre ami et membre de la confrérie, Vladimir Lossky, un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle. Mémoire de Catherine Aslanov. Lossky et Krug se rencontraient presque chaque jour. Ils vivaient en perpétuel état d'excitation, de tension nerveuse, étudiant et discutant de questions religieuses. Lossky disait toujours qu'il trouvait en Krug une vraie compréhension. Après les vigiles, il disait souvent à ma famille « Quel bonheur de parler avec Georges. Je lui soumets toutes mes études et toutes mes recherches et il comprend chaque nuance avec tant de finesse. » Le fait d'être confronté à ce monde occidental, ils ont été amenés à se remettre en question. On est orthodoxe, mais ce n'est pas pour ça qu'on l'est. Donc, en fait, il faut prendre conscience de ce que ça veut dire, l'orthodoxie, être orthodoxe, être l'Église, le sens de l'Église. Et donc, c'est en France qu'ils ont eu cette possibilité, en quelque sorte, cette liberté de pouvoir remettre tout ça à plat et de repartir, de réfléchir à ça. Et pourquoi les compositions de ces vierges de la Renaissance, qui sont extrêmement jolies, les petits Christ bien dodus, et en quoi, donc ça remettait, pourquoi l'icône n'est pas comme ça, et en quoi l'icône est plus juste. Voilà, tout ça, ça a commencé à bouillonner en France. En 1933, Krug termine sa première iconostase,
celle de l'église de la rue Pétel. Il a réalisé toutes les icônes, tandis qu'Ouspensky a préparé les décorations en métal repoussé. Malgré les félicitations des confrères, Krug n'est pas satisfait du résultat. Il veut continuer ses recherches et retrouver le sens même de l'icône orthodoxe. Moine Grégoire, carnet d'un peintre d'icônes. Icône de la descente aux enfers. Après sa résurrection, le Christ brise les portes de l'enfer. Il saisit avec force la main d'Adam et arrache celui-ci de son sommeil mortel. Adam est complètement épuisé. Sa main est ouverte et tendue vers le Sauveur comme une prière. Dans ces mouvements s'entr'ouvre la renaissance de l'homme par la résurrection du Christ, la totale impuissance de la mort et l'attraction intérieure vers Dieu qui naît en l'homme. Dans les traits du visage d'Adam, lutte de la même façon l'épuisement mortel et la joie de voir à nouveau son Créateur. Sur cette icône, le Christ est comme le conducteur de tout le genre humain, qui appelle tout le monde à le suivre. Celui qui mourra avec le Christ ressuscitera de nouveau avec lui. Les 7 années suivantes, Krug étudie les fresques, les icônes anciennes, l'art roman et la Renaissance italienne. Selon lui, l'art contemporain est dans l'impasse. Il ne débouchera plus sur rien. La seule issue, pense-t-il, se trouve dans l'art religieux. Il vit principalement la nuit dans sa chambre, oubliant souvent de manger et de boire pendant des jours entiers. Sa mère se lamente de cela, mais ne peut rien faire. Toute la nuit, il fait des essais, dessine, mais ensuite détruit tout ce qu'il vient de faire. Cette vie désordonnée a bientôt un impact sur sa santé physique et psychique. Dès la fin des années 30, il commence à souffrir de crises de désespoir qui sont de plus en plus fréquentes. Il lui semble qu'il n'arrivera plus jamais à peindre. Un jour, Krug confie à sa sœur qu'il a l'impression qu'une force mauvaise prend possession de lui. Une peur atroce le tenaille. Le malheur n'arrive jamais seul. La Deuxième Guerre mondiale éclate. Krug supporte difficilement l'invasion allemande en France. Les nazis symbolisent pour lui le monde mécanisé, c'est-à-dire une force brutale et aveugle qui détruit la nature humaine. La même année, Ivan, son père, décide de rentrer en France, mais bloqué par les Allemands, il meurt d'une crise cardiaque à Berlin. Sa femme, profondément bouleversée par cette nouvelle, tombe gravement malade et décède bientôt à Paris. Un soir, Krug provoque un scandale avec les habitants de son immeuble, simplement parce qu'ils ont installé une lumière électrique dans le corridor. Après une telle crise, et avec son accord, on le place à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Un témoignage fort de sa sœur nous est parvenu grâce à ses amis. Les Allemands considéraient les malades mentaux comme destinés à mourir le plus vite possible. Ils auraient été exterminés s'ils avaient eu... C'était pas la peine de construire un camp de concentration, parce que de toute façon, il suffisait de ne pas les nourrir et comme ça, ils allaient mourir. Et donc, Olga a trouvé cette issue, c'est-à-dire qu'elle demandait à Père Grégoire, qui dessinait sans arrêt, ses dessins, et elle allait échanger de la nourriture chez les commerçants. Parce que vous savez que la nourriture, le ravitaillement était très difficile à obtenir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, elle échangeait les dessins du Père Grégoire contre les déchets, c'est-à-dire contre le contenu des poubelles, que ce soit chez les bouchers ou chez les maraîchers. Ce qu'elle recevait, elle en faisait une espèce de soupe, qu'elle faisait cuire tout ça pendant un certain temps, comme une espèce de potée, qu'elle faisait ensuite sécher. Et une fois que c'était sec, elle passait tout ça au moulin ou à la moulinette. Ça faisait une espèce de poudre qu'elle mettait dans des seaux et elle allait aux grilles de Sainte-Anne, parce que bien sûr, on ne la laissait pas rentrer avec ce chargement. Et elle passait la nourriture par poignée à travers les grilles de l'hôpital Sainte-Anne. Mémoire de Catherine Aslanoff. Georges Krug partageait ses vivres avec ses compagnons d'asile.
Ces malheureux mangeaient l'herbe qui poussait entre les pavés de la cour, où une promenade quotidienne leur était permise. Georges n'était pas fou. Sa technique et la finesse du dessin montrent une précision et une acuité du regard et de l'esprit. Van Gogh, par exemple, lui, dans ses crises de démence, gardait tout son génie, mais son dessin se hachurait, se brisait, se disloquait. Soutim, aussi atteint d'instabilité psychologique, a peint des portraits fantastiques et grimaçants. Jamais Krug n'a caricaturé ses compagnons d'asile. Ses portraits témoignent du profond respect, de la compassion, de la miséricorde et de l'amour qu'il portait à ses frères. Ils étaient de vrais pauvres, complètement démunis, abandonnés, et dont le regard vide et absent reflétait tout le malheur du monde. Récemment, une mondiale m'a dit une parole bouleversante. Nous devrions voir chaque personne avec le regard que Dieu porte sur elle. Je pense que c'est ce que le père Grégoire a su faire, et c'est ce que chaque peintre d'icônes devrait apprendre à faire. Avant de représenter les saints parfaits, il faudrait apprendre à voir dans chaque homme déchu, défiguré par le mal et le péché, la dignité que Dieu voit en lui par son amour. Ainsi, Krug passe 8 mois à l'hôpital. Peu avant la libération de Paris en 1944, un prêtre orthodoxe commence à lui rendre des visites fréquentes. Il s'agit du père Serge Chevitch de l'église de la Sainte Trinité à Vannes. Avant la guerre, Krug s'était mis à fréquenter cette église sous l'influence de sa mère, qui avait peur pour l'état psychologique de son fils. Il y venait rarement, n'ayant pas trouvé de réel contact avec l'ancien recteur de la paroisse. Tout est différent avec le père Serge. Celui-ci lui consacre des journées entières. Il l'écoute, il lui parle, il prie souvent et longtemps ensemble. Quelques mois plus tard, le médecin psychiatre constatera une amélioration de la santé de Krug. « Cher père, dira-t-il, vous avez un véritable don pour accompagner et guérir les malades atteints de dépression. » Un jour, il permet à Krug de sortir de l'hôpital, à condition que le père Serge le prenne sous sa responsabilité et continue sa thérapie hors du commun. On a retrouvé les rapports qui ont été faits par les médecins lorsqu'il séjournait à Sainte-Anne. Et les médecins, si vous voulez, portent le diagnostic de quelqu'un qui a des crises mystiques, si vous voulez. Alors, c'est assez intéressant parce que, évidemment, pour un médecin qui est athée ou agnostique, le seul fait de croire ou d'avoir des expériences spirituelles, c'est une certaine forme de folie. Hein. Et vous savez, vous connaissez cette parole de saint Antoine, un jour, tous les hommes deviendront fous, mais ils traiteront de fous ceux qui ne leur ressemblent pas. La normalité, si vous voulez, c'est quelque chose qui se définit d'une manière assez floue. Mais on peut dire quand même que le père Grégoire a été vraiment malade. Et il faut rappeler le rôle fondamental de son père spirituel, le père Serge Chevitch. Je crois que cet amour du père Serge, cet abandon même du père Serge, ce renoncement du père Serge à beaucoup de choses pour pouvoir se consacrer au soutien du père Grégoire a été pour le père Grégoire quelque chose de fondamental, non seulement dans sa guérison, mais aussi dans son évolution spirituelle. Moine Grégoire, carnet d'un peintre d'icônes. La Transfiguration. Au sommet du mont Tabor, le Christ s'est manifesté à ses disciples et lu dans la gloire de la lumière divine. Le mouvement des rayons qui indique les forces énergies divines, le mouvement de la montagne, la chute précipitée des apôtres, tout ce qui constitue la base de l'icône parle de la lumière. Elle nous illumine cette lumière sans déclin, sans changement, inaltérable, jamais éclipsée. Elle parle, elle agit. Elle vit et elle vivifie, elle transforme en lumière tous ceux qu'elle illumine. Dieu est lumière, et ceux qu'il rend digne de le voir, le voient comme lumière. Ainsi l'icône montre le monde transfiguré par la lumière. À la sortie de l'hôpital, Krug s'installe chez sa sœur.
Ils viennent quotidiennement chez Père Serge à l'église de Vanves. Durant les premières années, il reste sous le choc de son épreuve. Il n'ose pas reprendre la peinture d'icônes, se croyant indigne de représenter l'image de Dieu. Père Serge fait tout pour que Krug retrouve la foi en lui-même. Il l'invite à venir communier chaque jour à la liturgie et lui demande de chanter et lire les psaumes pendant les offices. Cette insistance du Père Serge a finalement porté ses fruits. Peu à peu, Krug reprend l'iconographie. Il venait dîner de temps en temps chez nous. Un soir, après un dîner, le Père Grégoire demande de se retirer. Et au moment de partir dans le couloir, il demande très humblement à maman, « Tamar Vassiline, vous pourriez me donner un petit œuf ?» Bon, je vois maman aller chercher, lui donner une boîte d'œufs. Et lorsqu'il fut parti, j'ai demandé quand même. Je devais avoir peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas exactement. Maman, quand même, il vient de manger, de bien manger. Pourquoi il est si pauvre? Pourquoi il t'a demandé des œufs quand même? C'est pas poli. Et maman s'est mise à sourire, a dit, mais tu sais, Nadiouche, il peint des icônes. Le témoignage du père Barsanuf. Avec une liberté créatrice, Krug a recommencé ses expérimentations de peintre. Il cherchait comment ajouter plus de lumière, plus de transparence à ses icônes. Ainsi, il se servait non seulement du jaune d'œuf, comme il se doit, mais aussi du blanc, qu'il laissait se décomposer. Si l'on ajoute à cela qu'il employait également de l'ail pour remettre en usage des procédés anciens, ainsi que du vinaigre pour blanchir la tempéra au jaune d'œuf, qu'il laissait l'huile de lin rancir le plus longtemps possible pour l'utiliser sous une forme visqueuse et même à la limite du solide, on comprendra que dans son atelier ou sur son chantier, quand il travaillait dans une église, régnait une atmosphère spécifique. Le premier dimanche du Grand Carême 1948, à 41 ans, Georges Krug prononce ses vœux monastiques à l'église de Vanves. Il reçoit le nom du saint moine Grégoire, iconographe du XIe siècle, au monastère des Grottes de Kiev. Un jour de cette même année, le père Serge lui demande d'aller payer les charges du skit du Saint-Esprit, au Ménil-Saint-Denis, près de Paris. Il s'agit d'un ermitage abandonné par les émigrés orthodoxes après la guerre. L'ancien recteur de ce lieu en a transmis la responsabilité au père Serge. À peine le moine Grégoire voit-il ce lieu qu'il décide de s'y installer. Et il y restera plus de 20 ans jusqu'à sa mort. Il vivait dans une pauvreté extrême, on peut même dire une misère extrême. Moi, j'ai connu le skit peu après sa mort. Il vivait de la manière la plus austère dans la petite chambre qu'il occupait au skit. Dans cette chambre, d'ailleurs, il y avait des souris qui vivaient à côté de lui et qu'il laissait librement courir sur son lit quand il se reposait. Il vivait en bonne harmonie avec elle. Et il était totalement détaché de toutes les condamnations matérielles. Et je dirais que ce trait est quelque chose qui a marqué son iconographie. C'est ici, en solitude et en prière constante, que le talent du Père Grégoire s'accomplit dans toute son ampleur. Il ne cherche plus l'inspiration pour ses icônes dans les livres et l'exposition d'art. Après tant d'années de recherche, les images des icônes et des tableaux anciens saturent déjà sa mémoire. Son inspiration, confie-t-il un jour au Père Serge, vient désormais de ses méditations sur la vie et les paroles de Jésus-Christ. Il les découvre en lui-même, en lisant et en chantant les offices à l'église. Krug a enfin ce dont il a rêvé si longtemps. Il se consacre entièrement à la peinture d'icônes. Il ne sort plus de son ermitage que pour deux raisons, soit pour venir célébrer les offices du dimanche et des grandes fêtes religieuses avec le père Serge à Vanves, soit pour aller réaliser les commandes d'icônes ou de fresques dans différentes églises orthodoxes. Ainsi, en quelques années seulement, il réalise de nombreux iconostases, comme par exemple celle de la chapelle du Saint-Esprit à Clamart, celle de la colonie de vacances d'Hauteville, en Normandie, celle du monastère de Saint-Jean-Baptiste, en Angleterre, celle de l'église de la Haye, en Hollande,
et beaucoup d'autres. Les souvenirs de Zourov. Il travaille énormément, environ 12 heures par jour. Mais il a le sentiment de ne rien faire. Tout ce que le père Georges gagne va à l'entretien de l'ermitage. Pour lui, ce n'est pas un simple travail d'obéissance, c'est une création d'en haut. Copier, peindre sur commande, il ne le peut pas. Il est un iconographe inspiré. Il n'aime pas s'arracher du travail. Il y a en lui un tel enthousiasme créateur pour l'iconographie qu'il brûle littéralement pour cela. Toute son énergie vitale passe dans le travail. Il s'ensuit un épuisement physique et psychique total. Mais ne pas créer, il ne le peut pas. Le temps passe. De nombreuses personnes viennent de plus en plus souvent chez lui, à l'Ermitage. Ce sont des amis, des proches, et surtout les nombreux admirateurs de son talent, qui veulent à tout prix savoir comment il crée ses icônes. Père Grégoire, il mélangeait les pigments dans la main. Il n'y avait pas de palette. Et puis, tout à coup, il y a l'ocre rouge qui coule dans le thé, et le thé se retrouve tout rouge. Enfin, apparemment, c'est la peinture qui primait sur la propreté. Il avait un habit monastique de toutes les couleurs, complètement polychrome, parce qu'il s'essuyait les mains au fur et à mesure, au lieu d'aller chercher un chiffon, eh bien, ou alors il essuyait ses mains dans ses cheveux. Et alors, ses cheveux avaient toutes les couleurs. Certaines zones étaient roses, rouges un petit peu, enfin, de toutes les couleurs. Et ça, quand on le rencontrait pour la première fois, c'était très frappant, parce que ça avait quelque chose d'étrange, quand même. Et lui, il ne cherchait pas du tout à être étrange. Il était dans son art. Il était totalement détaché des conventions. Il ne s'occupait pas du tout du qu'en dira-t-on, ni de son image, comme on dit maintenant. Mais ça transparaissait dans son apparence lui-même. C'est à douter que lui-même se rendait compte de l'aspect qu'il avait aux yeux des gens qui l'approchaient. Il y avait un boucher qui passait de temps en temps devant le skit, et Père Grégoire l'aimait beaucoup, il discutait avec lui, et un jour il lui a donné une icône. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette icône. Un jour, par exemple, il a rencontré un passant avec sa fille qui se promenait autour dans le bois autour, et il lui a donné une icône. Parce que pour lui, si vous voulez, il n'attachait pas de valeur à ce qu'il faisait. Il avait un respect infini pour ceux qu'il représentait. Mais comment vous dire, ses œuvres comme les siennes, ça n'avait pas d'importance. Et c'est pour ça qu'il pouvait utiliser n'importe quoi. Par exemple, quand il lui manquait une couleur, une fois, on m'a raconté ça, il a pris un pot de Nescafé et il a mis le Nescafé dans la couleur parce que ça donnait exactement la teinte qu'il cherchait. Ou par exemple, un autre aspect, il y a un monsieur qui est venu lui apporter une icône parce qu'il voulait un conseil. Alors Père Grégoire ne donnait aucun cours, mais Père Grégoire lui a dit « Ah ben oui, là il vous faut, là cette couleur-là elle n'est pas juste, vous devriez faire un bleu, mais un bleu, quel bleu, un bleu, un bleu. » Et tout d'un coup il a vu que la manche de sa chemise sous sa soutane, c'était exactement ce bleu. Alors il a tiré très fort, il a arraché sa manche, il lui a dit « Voilà, c'est ça le bleu qu'il faut que vous mettiez. » En 1959, le vieux bâtiment de l'église de la rue Pétel est démoli pour y construire un immeuble neuf. Un emplacement pour l'église est aussi prévu. Krug et Ouspensky sont invités à peindre l'iconostase et les fresques murales. De nouveau, les deux amis travaillent ensemble sur le même projet. À ce moment-là, Ouspensky est déjà devenu un spécialiste reconnu dans l'église orthodoxe. Il a publié plusieurs livres sur les différentes techniques iconographiques et le sens théologique des icônes. Il donne des cours d'iconographie à Paris. À la suite de la mort de Staline et d'une libéralisation relative du régime soviétique, Ouspensky est même invité à enseigner la théologie de l'icône dans les académies théologiques de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Mais ici, à Paris, en plein milieu du travail, le père Grégoire, semble-t-il, ne porte pas assez attention aux conseils de son ami. On ne peut rien lui imposer qui aille contre son inspiration. Finalement, les méthodes de travail de Krug suscitent l'incompréhension d'Ouspensky. Léonid Ouspensky était très fâché justement à cause de cette attitude de Père Grégoire, parce qu'il ne se préoccupait pas, si vous voulez, des éléments matériels de l'iconographie. C'est-à-dire, son souci, c'était vraiment de peindre des icônes. Évidemment, l'idée de sa propre gloire future, éventuelle, ne l'intéressait ou ne le préoccupait absolument pas. Il a utilisé toutes sortes de produits, si vous voulez, qui n'étaient pas des produits canoniques. C'est-à-dire, par exemple, il a utilisé de la gouache pour peindre non seulement des icônes, mais des fresques.
Il a fabriqué des vernis qui étaient vraiment improvisés quant à leur composition et qui, évidemment, ne tenaient pas du tout au temps, même pour une assez brève période. Et évidemment, ça a posé des problèmes, non pas à lui, mais ceux qui, quelques années plus tard, ont dû commencer à restaurer les fresques ou les icônes qu'il avait réalisées. Contrairement à Ouspensky, chez qui j'ai travaillé et que j'ai vu toujours faire, j'ai toujours vu faire très attention à ces mélanges, aux proportions, à la pose de la toile, comment elle est posée, que tout soit bien. Je pense que le père Grégoire ne pensait pas du tout à ça. Ça ne l'intéressait pas. Et donc il avait une approche. Il était dans l'instant, dans la peinture. Peut-être se dépêchait-il même d'enduire des fois pour arriver à commencer à peindre. Donc il avait déjà en lui, parce que pour certaines icônes, on le sent bien, il y avait déjà en lui, ces icônes étaient prêtes. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et donc, peu lui importait, à la limite, le support. Dans la Sainte Seine, vous avez carrément l'enduit qui n'est même pas posé partout. À certains endroits, il a peint en dessous, il avait mis une toile, assez lâche, heureusement, parce que des fois, elles ne sont pas lâches, c'est pas bien. Donc, une toile assez lâche, il avait mis de l'enduit, assez grossier, et par endroits, il a même pas vu qu'il n'y avait pas d'enduit, il a peint sur la toile, donc il y a des trous. Et là, vous laissez le restaurateur, il ne va pas boucher les trous qui existaient dès le début, mais on voit, ils sont peints par le père Grégoire. Donc, ça lui importait peu que ça soit bien lisse, que ça soit parfaitement... voilà. Il était, je pense, peut-être pris aussi par le temps. Une autre raison des longs débats avec Ouspensky était la compréhension iconographique de certains sujets évangéliques. Il y avait dans cette composition de la Pentecôte, qui était la représentation de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, au-dessus de chaque tête d'apôtre, il y avait la flamme, et au milieu, il y avait une place vide. C'est après l'ascension. C'est pour cela que la place du Christ reste vide. Et le père Grégoire, qui avait aussi regardé cette iconographie de la Pentecôte, il avait vu qu'à partir d'un certain moment, on a commencé à représenter au milieu des apôtres la mère de Dieu. Et Ouspensky a réussi à montrer et à démontrer que c'est un malentendu. Parce qu'il s'agit de l'apostolité de l'Église et de la présence du Saint-Esprit et de la présence invisible du Christ. Mais Léonide savait que si Grégoire avait quelque chose en tête, c'était très difficile de le faire changer d'idée. Et c'était même pas la peine d'essayer. Et donc, ils ont fini leur vie, chacun resté avec son opinion. Père Grégoire, jusqu'à la fin, peint des icônes de la Pentecôte avec la Mère de Dieu. Et Alexandre disait, mais c'est un malentendu, c'est dommage, mais ben, puisque tu le fais, qu'est-ce que je peux faire? Par contre, cette approche personnelle du Père Grégoire envers ses icônes a finalement un impact unique sur la perception de ses œuvres. Tous les témoins s'accordent sur le fait que seul Krug réussit à représenter dans ses icônes quelque chose d'inexprimable. Je me rappelle des fresques d'une beauté époustouflante. Il y avait des murs complètement blancs dans l'église de la rue Pétel, et tout à coup, les visages des saints apparaissaient qui regardaient directement sur vous. C'était quelque chose d'étonnant. C'était très très beau, d'une beauté stupéfiante. Même s'il semblait que parfois les dessins étaient disproportionnés, mais le regard vous mène ailleurs. Le regard vous touche profondément. Il savait mettre toute sa prière dans le regard de ses icônes. Le père Grégoire a fait deux icônes de cette taille-là, l'une représentant la Sainte Face et l'autre la Mère de Dieu du Cygne. La Mère de Dieu du Cygne, c'est un visage évanescent, on dirait, ma mère toujours dit, on dirait une apparition. Et en revanche, le Christ, c'est un visage unique, mélange de douceur et de sévérité. Et je sais que cette icône-là,
un moment donné, ma mère l'a mise dans notre chambre parce qu'elle ne pouvait pas l'avoir dans sa chambre, elle en avait peur. Et puis après, elle l'a reprise. Mais à une époque de sa vie, cette icône était dans notre chambre. Et nous, on n'avait pas peur parce qu'on était enfant et c'est l'innocence de l'enfance. Mais ce visage, il est unique. La chaleur des icônes du Périgord est vraiment quelque chose de très frappant. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez beaucoup d'iconographes, si vous voulez, on a des réalisations techniquement parfaites, mais des icônes qui sont assez froides, justement, parce que la perfection se manifeste dans le caractère technique de la réalisation, mais pas vraiment dans l'expression de la vie intérieure des visages. Je pense que le Père Grégoire réussissait à exprimer cette chaleur qui était celle de la grâce qui animait les personnages, parce que lui-même vivait dans cette grâce. Ces épreuves qu'il a traversées pendant plusieurs années ont été pour lui une voie de progrès spirituel. Malgré toutes ces imperfections des icônes du Père Grégoire, Ouspenski lui-même est émerveillé par les œuvres de son ami. Jusqu'à la fin de sa vie, il essayera de trouver lui-même cette chaleur dans les visages des saints sur ses icônes. Il ne sera jamais persuadé d'avoir réussi à le faire. Je me souviens que, en l'absence bien entendu de Père Krug, Ouspenski restaurait ses icônes. Je me souviens comment il me montrait ses icônes en me disant, comme ça, à l'aveugle, « Est-ce que ça vous plaît, cette icône ?» Et je dis, « Oui, beaucoup. » Il me dit, « Moi aussi. » Et ça, c'est Krug. Extrait du livre « La théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe » de Léonide Ouspenski. Aussi précieuse que soit l'icône, ou les travaux de recherche qui ont permis de découvrir son sens, tout ce qu'elle révèle ne peut être saisi que par la participation vivante dans la vie de l'Église. La renaissance de l'icône contemporaine ne doit pas être un anachronisme ni un recul vers le folklore ou le passé. Ce ne doit pas non plus être une tentative de retour aux icônes plus anciennes dans l'atelier de l'iconographe. Mais c'est avant tout une compréhension vivante de ce qu'est l'orthodoxie, de ce qu'est l'Église. C'est un retour à l'expression artistique la plus authentique de la révélation chrétienne, de l'expérience des saints pères de l'Église. Cette vraie renaissance de l'art iconographique contemporaine, nous pouvons la voir dans les icônes du moine Grégoire Krug. Moine Grégoire, carnet d'un peintre d'icônes. La Sainte Trinité. Le Christ, dans son incarnation, apparaît comme le restaurateur de l'image divine authentique de l'homme. Il est la réalisation parfaite de l'image de Dieu, l'icône des icônes, la source de toute image sainte, l'image qui n'a pas été faite de main d'homme. La lumière de transfiguration du Christ emplit pleinement les icônes, les sanctifie, leur donne ce qui leur permet, au sens plein du terme, d'être appelées saintes icônes. L'icône peut quitter l'Église, se trouver dans un musée, exposé chez les amateurs d'art, mais elle rappellera toujours à tout le monde que la lumière du Christ rassemble ce qui a été dispersé, relève ce qui a été terrassé, guérit ce qui a été déchu, vivifie ce qui a été mis à mort. C'est ainsi que l'on comprend pourquoi il n'y a pas de limite fixée une fois pour toutes dans la vie des icônes. C'est ainsi que parfois, une représentation modeste privée de grand mérite, plus proche de la peinture profane que des icônes, est érigé par les soins de Dieu à la dignité de la pleine vénération liturgique. Avec les années, de nombreuses maladies commencent à frapper le Père Grégoire les unes après les autres. Arthrite des jambes, tension très élevée, diabète, angine de poitrine, mauvaise assimilation de la nourriture. Il lui arrive de dissimuler ses maux par crainte d'être envoyé à l'hôpital pour y subir des analyses et se voir prescrire un traitement contraignant. Il proteste contre le régime carné auquel ses amis veulent le soumettre. « Vous oubliez que je suis moine et vous voulez faire de moi une barbe bleue », dit-il. Même le père Serge Chevitch n'arrive pas à lui faire prendre plus soin de lui-même.
il s'est négligé énormément, comme dans son apparence, dans son, pour la santé. Il ne voulait pas du tout. Il a, par exemple, quand il était malade, je sais une chose, qu'il a refusé catégoriquement d'être suivi par un médecin ou être soigné. Il prenait tout comme ça, de main de Dieu. Vous voyez, il pensait que c'était la volonté de Dieu. S'il est malade, c'est que c'est normal. Bon, il y a des gens qui pensent comme ça. Un soir, le père Grégoire revient à pied de l'office de Vanves. Une voiture s'approche de lui et son conducteur lui propose aimablement de le reconduire chez lui. C'était un cardiologue renommé Thomas Eftimiu. Il s'aperçoit vite de l'état maladif du père et commence à venir régulièrement chez lui à l'Ermitage pour lui porter des médicaments et faire les analyses nécessaires. Le père Grégoire est touché par le dévouement de ce docteur. Il accepte avec gratitude toutes ses boîtes pour ne pas le blesser. Par contre, il les laisse souvent à côté de son lit, en oubliant même parfois de les ouvrir. Par souci pour la vie de son ami, le père Serge demande l'aide du moine Barsagnouf. Alors, un jeune Français orthodoxe récemment tonsuré, qui vient vivre avec le père Grégoire au skit. J'ai été mis au skit pour veiller sur le père Grégoire, parce qu'il ne prenait pas les médicaments qu'il devait prendre, ou bien alors il les prenait tous ensemble le matin, alors que ça aurait dû être réparti au long de la journée. Et alors j'étais chargé au début de veiller à ce que le père Grégoire prenne les médicaments qu'il devait prendre, aux heures où il devait les prendre, etc. Et puis alors, évidemment, comme le père Grégoire passait tout son temps à peindre, alors j'étais chargé aussi de faire la cuisine, de m'occuper du chauffage, etc. Enfin bref, de faire fonctionner le skit sans que le père Grégoire ait à s'en occuper. Il marche avec peine, mais continue à peindre des icônes, à moitié couché sur le lit dans sa cellule. Père Grégoire travaille malgré des souffrances parfois insupportables. Toute la nuit, à la lumière des cierges, il crée, en écoutant des retransmissions à la radio de la musique de Bach et Beethoven. Au milieu des années 60, sa vue commence à baisser sérieusement. Le diabète sucré tardif a pour conséquence une dyschromatopsie, une mauvaise vision des couleurs. Sa perception du monde change constamment. Ainsi, il retouche à plusieurs reprises les fresques de l'église de son ermitage, en essayant toujours de les améliorer. Néanmoins, personne ne peut deviner, sauf les amis les plus proches, qu'il est gravement malade. Il émanait de lui une grande bonté, toujours un grand sourire, presque un sourire béat, je dirais. On sentait que il n'était pas de ce monde. Il sentait que déjà le royaume était en lui. On avait l'impression, quand on lui parlait, vraiment d'entendre vraiment que ce qu'il disait, ça venait de quelque part, qu'il y avait d'une expérience qu'il avait. Ça se sentait tout à fait. Si le corps du père Grégoire est de plus en plus faible et fragile, paradoxalement, ces icônes deviennent comme jamais avant lumineuses. Mémoire de Catherine Aslanoff. Le noir dominait dans les premières icônes que Krug a peint après sa sortie de l'hôpital. On ressentait là toute son angoisse, son doute devant l'art de l'icône, dur labeur qu'il n'osait plus entreprendre. Je me rappelle un Saint Séraphin au clobouc noir qui a été peint juste avant l'internement. On peut mesurer le chemin qui sépare cette miniature avec le Saint Séraphin de Montgeron éclatant de blancheur. Celui-ci est peint blanc sur blanc, dont les nuances proviennent de la couleur différente des sous-couches. L'icône irradie la lumière. Par quelle souffrance, quel sombre tunnel, par quelle croix faut-il passer pour arriver à représenter avec tant de force ce triomphe de la lumière pascale dans le corps de ce saint? Devant cette œuvre, il nous vient en mémoire les chants de Pâques. Tout est inondé de lumière, le ciel et la terre et les enfers, que toute créature célèbre la résurrection du Christ, car en elle, elle reçoit sa puissance. Au début de l'année 1969, l'état général de Krug empire. Il ne quitte plus l'ermitage. Le père Serge vient alors passer la semaine avec lui. Ils y célèbrent les offices religieux. Le père Serge lui fait la lecture à haute voix. Peu de temps avant la fin,
surveillant une brève amélioration. La veille même, il peut encore suivre la liturgie, chanter et lire les textes sacrés. Il communie. Le 12 juin, le père Grégoire rend l'esprit, au moment même où il s'apprêtait à peindre le titre de l'icône qu'il venait de terminer. C'était l'acte de foi de saint Thomas l'Incrédule qu'il voulait offrir à son médecin. Grâce à une autorisation spéciale accordée par la préfecture de Vanves, le père Grégoire a été enseveli dans son ermitage, derrière l'abside de l'église. En cet été de 1969, les yeux de la Terre entière se sont tournés vers les exploits de la mission spatiale américaine Apollo 11, qui a permis à l'homme, pour la première fois dans son histoire, de marcher sur la Lune. Dans ce contexte, la mort du père Grégoire Krug n'a été remarquée que par un tout petit nombre de fidèles orthodoxes et par des amis. Il n'a jamais donné de cours d'iconographie, ni n'a jamais eu d'élèves. Il n'a pas écrit un seul livre non plus. Les extraits de son carnet que vous venez d'entendre ont été publiés longtemps après sa mort, grâce à sa sœur. Mais il a laissé plus de 400 icônes et fresques, répandues dans le monde parmi les croyants chrétiens. Ses œuvres rappellent que le but authentique de l'iconographe n'est pas de suivre aveuglément la tradition, mais de mettre tout son talent créateur au service de la lumière, c'est-à-dire mourir avec le Christ et ressusciter avec lui. Ce n'est pas une chose aisée, comme nous le montre la vie du père Grégoire. L'artiste peut descendre jusqu'au désespoir total et la mort de la foi en soi-même. Mais c'est à travers l'expérience personnelle de cette mort qu'il retrouve l'union avec Dieu. Ainsi, il comprend la valeur des prescriptions iconographiques et les transfigure en une image créative et vivante. Ainsi, la vie et les prières d'un iconographe, cachés au regard du monde, peuvent être aussi importantes pour le destin de l'univers que la victoire du génie humain sur l'espace cosmique. Je crois que l'iconographie du père Grégoire a quelque chose d'unique, quelque chose de génial, même peut-on dire, parce que elle représente un style. Ce style lui-même n'est pas celui qu'a inventé un artiste pour se mettre en valeur, mais ce style est celui vraiment d'un mode de vie personnel dans l'Église que le père Grégoire a réussi à exprimer, si vous voulez, tout en respectant globalement les critères de l'iconographie traditionnelle. Tous les iconographes de notre époque devraient prendre une leçon de ça, parce que le père Grégoire Krug a vraiment peint avec tout son être. Or, une peinture vivante et profonde ne peut se développer réellement que si la personne qui peint est réellement engagée. Ça veut dire engager un combat. Ça veut dire pratiquer une certaine ascèse. Et c'est ça qui fait la force des icônes de Krug. Et c'est pour ça qu'elles nous paraissent si présentes et si proches. Parce qu'il a vécu des moments dramatiques dans sa vie. Et ensuite, il a trouvé la lumière. Et ça, c'est une recherche permanente dans l'œuvre du père Grégoire Krug, de traduire cette lumière divine incréée d'une manière graphique, picturale, iconique, traditionnelle, canonique. Et on trouve ça aussi dans l'histoire de l'icône, les grands maîtres, voilà, que tout le monde connaît, enfin tout le public un peu iconophile connaît, Saint-André Roubleff, Théophane le Crétois, Théophane le Grec. Le père Grégoire, il est l'expression même de la liberté chrétienne. C'est-à-dire le chrétien, il y est au milieu du monde, vous connaissez les vies des martyrs, vous connaissez les vies des saints. Le chrétien, il est comme le Christ, une pierre d'achoppement. Il passe à travers le monde sans en être atteint ou affecté. Et donc, père Grégoire, il nous a montré comment c'est possible d'abord de vivre comme ça,
parce qu'on ne peut pas vivre comme ça sans avoir la plénitude du royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Et d'autre part, il nous a montré comment on peut rayonner, l'icône peut rayonner, les chrétiens peuvent rayonner dans ce monde de fous.